fait cette merde là? Ouais, mais j'ai plus de place moi. Eh, c'est galère la place là-dedans, hein. Bon, bah, plus belle les fibres, tant pis, hein. Là, mais ça m'énerve. On va se nourrir à fond. Oula, bah, ça se prend. Oh putain, non, mais c'est pas croyable. Bon, tant pis, ça, j'en veux pas, ça me saoule. Ça prend trop de place. Voilà. Il faut pas déconner, au bout d'un moment, ça me saoule. Je comprends pas pourquoi les trucs ils explosent tout seuls. C'est ça que Ah, mais je suis atterri dans la salle avec le code. Ben. 4444, apparemment, le code. Bon, bah, apparemment, c'était pas le bon code. Le mec, il s'en bat les couilles. Des balles en plus. Ah, bah, ça, je veux bien la bouffer, par contre. C'est con, on peut pas consommer directement, non? Barre d'outils ou depuis l'inventaire, mâche, clic gauche. Non, mâche, clic droit. Hein? Ah, ouais. Oh, trop cool. Ah, bah, si on pouvait, en fait. Bon, par contre, le niveau soin, c'est pas ouf. J'en ai marre, moi. Toujours me péter la gueule dans les trous. Hein. Console d'opération. Ah! C'est normal les bruits là? J'ai pas trop envie de savoir. Oh, bah, elle s'est déchargée. Elle. Bon, bah, hop. Et ça aussi, ça va péter quand je vais rentrer dedans, c'est ça? C'est ça la blague? Non, parce que je commence à avoir ras-le-bol. Ok, il n'y a pas de porte là, donc du coup c'est réglé. Ouh là là, ouh. Et c'est un peu morbide. Là. Ils sont vénères ou quoi là? Oh, fais chier, le pack d'essence, j'aime bien, mais qu'est-ce que j'en fasse? J'ai plus de place, mon gars, j'ai plus de place. C'est pas que je veux pas, hein, c'est juste que je peux pas, quoi. Ah, punaise. Je vais être obligé de sacrifier quelque chose, mais quoi? Ah. C'est une horreur, ce truc. Composé, j'ai régénérant. Ouais, mais ça me soigne pas. Ça me soigne trop, quoi. Ouais. Pas ouf. Pas ouf du tout. Ah, puis j'ai deux charges de chaque là. Sérieux? Ben, c'est la merde, mon gars. C'est la merde. Je peux rien faire là. Je peux pas le prendre. Je perds. Hein. À moins que si je lâche par exemple. En plus, j'ai même pas besoin de me soigner parce que ma barre de vie elle est en train de régénérer toute seule. Je pense que ce que je pourrais jeter, c'est la racine parce que je vois pas ce que je peux en faire. Oui, c'est sûr, ça peut faire des morsures envenimées, nanani, nanana, mais tant pis, hein. Il y a des choses plus importantes que des morsures envenimées. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'araignées, c'est surtout des. Des bestioles de merde là. Des balles de snipe. Oh. Carrément. Donc là, on est dans la salle des générateurs à moitié. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Ça va encore me péter la gueule, je le sens.
Oh, il y a un alien. Il y a un alien un peu chelou là. Et si je lui tire dans la tête, il prend des dégâts ou pas? Bon, apparemment, oui. Je l'ai buté à travers la porte. Ok. Oh la vache! Du silicium, pas mal. Fusil d'assaut V2. Impulsion V2. Est-ce que lui il est mieux? On va voir. Parce que le fusil à impulsion, pas ouf. Hein. Pistolet V1, ça me sert à rien. Foreuse mécanique. Ah ouais, ça je veux. Oh là 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 là. C'est compliqué. Je pense que les pilules. Hein. Je suis désolé, mais. Poudre de magnésium. Je vais être obligé de jeter toutes mes pilules. Indigestion ou intoxication alimentaire, ça c'est moins grave. Plaie infectée, tout ça c'est pas mal quand même. Hein. Ça c'est les trucs de radiation, on s'en fout. De toute façon, au pire, radiation, j'ai ça. Antibiotiques et antitoxiques, donc ouais, ça va. Ça, ces deux-là, j'en veux plus. Je pourrais garder la mitraillette, tu me diras, mais ça me sert à rien, je sais même pas où la mettre. J'ai plus de place. Après, les plasmas d'aliens, je suis pas sûr que ce soit utile, mais quand même. Les lingots, il y en a quand même 103. Hein. Je vais quand même les prendre, parce que 103, c'est pas rien. Qu'est-ce qui est facile à fabriquer là-dedans? Je pense que c'est les trucs électroniques à la limite, mais. Mais vu que j'en ai 74. Ah, je sais pas quoi lâcher. Parce que le truc blanc là, c'est pas dur à faire au pire. Ça va. C'est juste chiant, mais c'est pas dur. Bon, du coup, je sais pas quelle porte ouvrir. En plus, il fait nuit là, ça fait chier. Je peux pas poser ma tente là-dedans. Oh la vache. Bah non. Ok. On peut pas recharger. Okay. Bon, on va prendre la mitraillette. Hein. Ouais, au-dessus. V2. Ah oui, bah j'ai le V1 moi. C'est mieux le V2 quand même. J'ai pas fait gaffe à ça. Bon. On s'en bat les couilles. Hop. Et ici. Salle de bain. Ah mais c'est une vraie baraque en fait là-dedans. Oh bah écoute, je l'ai déjà, mais pourquoi pas. On peut pas chier dans leur baignoire. Par contre, il fait noir là, on voit plus rien. Mon gars. Il y avait un zombar là-dedans. Je l'ai tué, du coup, il y a plus rien là. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Ils disent accès impossible votre faction, mais moi je fais comment pour sortir de là, moi? What the fion? Attends, ils m'ont fait faire tout le tour pour ça et il n'y a pas de sortie? Une louche. Il y a bien un interrupteur ou quelque chose quelque part, non? Parce qu'ils nous laissent même pas sortir, les mecs. C'est la porte. Ouais, bah non. Mais là, il fait nuit, je vois plus rien, ça fait chier.
comprends rien. Je fais comment pour sortir de là-dedans? Ah bah c'est ça qui a pété. Ouais c'est cool, ça a pété, mais ça me donne pas de sortie quoi. Ça aurait dû péter plus parce que là du coup je peux pas sortir. Il doit y avoir un autre truc qui a pas pété, qui aurait dû péter, j'en sais rien. Je suis emprisonné quoi, comment veux-tu que je fasse? Je suis carrément enfermé dans leur base. What the fuck? En plus j'ai tué tout le monde. D'ailleurs je vais sauvegarder vu que j'ai tué tout le monde. Mais je sais pas comment je vais sortir de là moi. Il y a tout qui a pété mais j'ai pas de sortie. Je sais pas comment je fais pour placer la porte par terre, mais bon. Bah là, ça a pas pété, mais y a rien qui pète ici. Bizarre. Il y a plein de trucs qui ont pété, comme là, et quand je suis tombé en bas, je pouvais plus rien faire. Je pouvais pas ouvrir la porte. Oh, par contre, j'ai oublié rien. J'ai bien oublié le coffre, je pense, qui est ici. Oh putain, oui. J'ai oublié ce coffre là, justement. En plus, il y a du C4. Ça va peut-être m'aider. Ah là là, je te jure. Par contre, j'ai un petit souci de place, tu vois. Comme d'habitude. Brûlure. Brûlure cutanée, gélure et nécrose. Bon, lui, il fait beaucoup plus de choses, donc ça, c'est pas très grave. Silicium, j'en ai à chier, ça tombe bien. Du fer. Bah, le problème du fer, c'est que. Voilà quoi. Ça, bah oui, pourquoi pas. Et des champs de force, j'en ai rien à foutre. Après, le prix du marché, il est élevé, mais que tu que je fasse, j'ai pas de place. J'aurais de la place encore. J'aurais pris tout ça là. Mais là, il y a trois trucs que je peux pas prendre, donc, de toute façon. C'est bizarre parce que là, il y a 4, 4. Je vois pas le chiffre qui est entre deux, mais il y a 4, 4 et 4. Il y a 3, 4. Il manque juste un chiffre. Je sais pas ce que c'est. J'aurais bien voulu savoir c'est quoi le dernier chiffre, quoi. Alors 4, 4. Moi j'ai mis 4 fois 4 mais ça marche pas donc 4, 4, 4. Non, ça marche toujours pas. Bah je sais pas. À l'heure j'ai réussi à sortir, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai pas fait comme ça en tout cas. Ah puis là il commence à cailler en plus. Ouais, c'est un truc du genre mais. Allez, là, je suis pas assez reposé. Attends. Ouais, j'ai fait comme ça. Bref, du coup, ça donne ça. Ah, mais je pouvais monter par là. Mais. Je suis pas monté tout à l'heure. Bah, ça donne rien, c'est éboulé. Ouch. Ouais, j'ai eu bobo, mais ça va. Ouais, c'est pareil là, je sais pas moi, le code est là mais aucune idée hein. Le capteur il sert à rien. Autre faction, en tout cas il me laisse pas partir quoi, je sais pas comment je vais faire moi.
Putain, mais c'est de la merde ça. Mais reste dessus là. Eh, il est trop rapide là, il me casse les couilles. Regardez-moi ça, comment il est excité le bordel. Il faut te calmer, hein, 2 minutes là, merci. On voit que chi. Je sais même pas où je dois aller. Bon, on va aller par là. Hein. Putain, mais je vois rien du tout. Il peut pas faire jour là, bordel de merde. Je peux même pas poser ma tente, ça me casse les couilles. Est-ce que je peux poser du C4 quelque part? Ah, je peux. Hein. Donc, où est-ce que ce serait le mieux pour monter là-haut? Ici, non? Ouais, peut-être. Ça a pas l'air d'avoir fait grand chose. Hein. Eh mais ça donne de l'autre côté, ça, non? Ouais, ça pète pas. Ouais, ça donne dans la salle que j'étais tout à l'heure, mais ce qui est bizarre, c'est que je peux pas sortir, quoi. La porte, elle s'ouvre pas et par là non plus, donc... Ah putain, je suis pas dans la merde. J'arrive pas à monter assez haut pour pouvoir sauter par-dessus le truc, quoi. Bon, ah, tu me diras, c'est fait exprès, mais... Dans ce cas-là, ils auraient pu faire en sorte que la porte s'ouvre, quoi, je sais pas. Parce que là, du coup, on peut même pas sortir. Donc... Ah bah si, j'ai réussi. Ok. Eh bah, c'était un petit peu galère quand même. Hein. Bon, j'ai pété tous ces câbles. Au moins, j'ai pas perdu ma moto ni rien. C'est impeccable. J'ai remis le jour parce que là on voit rien. Et par là, il y a... Je vais reprendre ça parce que je vois rien. Oh putain. Pas vu ce qui s'éloigne. Ouais, il s'éloigne. C'est la galère. Alors du coup, je suis là. Le drone, il est au-dessus de la ressource. Donc déjà, ça annonce que la ressource, elle devait être importante pour que le drone reste au-dessus. Du coup, dans le prochain épisode, je vais essayer de descendre ce drone de merde. Voir ce que c'est comme ressource. Hein? What? Ah, c'est parce que ça s'est enlevé, ce que j'allais dire, si le drone il a supprimé ma ressource, ça va pas. Non, c'est parce que ça a disparu, oui c'est ça. Donc la prochaine fois je le tue, je récupère la ressource s'il faut ou si, enfin voilà. Je découvre cette zone là et puis voilà. Mais là aujourd'hui on va rester là parce que j'ai un peu dépassé le temps, mais bon, ça c'est pas gênant. Mais si je continue comme ça, on va en avoir pour des millénaires. Donc voilà.
Je vous dis ciao tout le monde, c'était Profitroll sur la chaîne The Dragon Press, pardon, j'arrive plus à parler. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à checker les vidéos. Et tout ce que vous avez besoin de savoir est dans les descriptions. Comme d'hab quoi. Et la prochaine fois, bah, sur Skyrim ou Empyrion. Et par la suite, bientôt, il y aura Dying Light 2 qui sort le 7 septembre. Donc j'ai hâte. Bref, ciao.